Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau J perso. Et pour cet épisode, j'ai choisi Minato Namikaze, un personnage emblématique du chef-d'œuvre qu'est Naruto. Alors je vais essayer d'être concis et ne pas trop m'étaler parce que, comme Kishimoto, j'ai tendance à prendre beaucoup trop de temps pour parler d'un perso. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter ce perso? Je ne pense pas, mais je vais tout de même vous faire une petite piqûre de rappel comme j'aime bien faire dans ce format. Alors Minato Namikaze est tout simplement le père du héros de cette magnifique œuvre. C'est avec Kushina Uzumaki qu'il a eu Naruto et que cette œuvre a pu commencer. Dès son plus jeune âge, Minato faisait partie des meilleurs ninjas de son rang, parce que souvenez-vous, il avait quand même sauvé Kushina qui s'était fait enlever par des ninjas de Kumo. C'était le seul ninja de Konoha, pourtant il ne faisait pas partie des ninjas envoyés. Il y avait pas mal de ninjas qui avaient été envoyés à la recherche de Kushina, et c'était le seul parmi tous qui avait repéré les mèches que Kushina avait laissées derrière elle pour pouvoir être retrouvée. Donc Minato a tout simplement retrouvé ces fameuses mèches et a retrouvé Kushina et a dégommé les ninjas de Kumo, c'était abusé. Il était déjà hyper fort, d'autant plus que c'était l'élève de Jiraiya-sensei. Et oui, Minato était l'élève d'un des trois ninjas légendaires. D'ailleurs, Jiraiya pensait que Minato serait l'enfant de la prophétie. Bon, aujourd'hui on sait que c'était Naruto. Mais d'une certaine manière, Jiraiya n'avait pas totalement tort. Minato avait pour particularité d'être hyper rapide, d'où son fameux surnom, l'éclair jaune de Konoha. Il doit surtout ce surnom à sa technique de déplacement instantané. D'ailleurs, son déplacement instantané est moins cheaté que celui de Goku, mais je trouve celui de Minato tellement plus classe, notamment à cause de ses magnifiques kunai. Alors, c'est une technique créée par le deuxième Hokage et perfectionnée par notre cher Minato. L'éclair jaune de Konoha est connu pour une autre technique, et je pense que vous l'avez déjà tous deviné. Je parle bien évidemment du Rasengan, ou de l'orbe tourbillonnante hein, pour les VF Boys. Alors, cette technique est hyper complexe, et elle a quand même réussi à se transmettre de génération en génération, en passant par Jiraiya, Naruto, Konohamaru, et aujourd'hui Boruto. En tout, nous avons eu 5 générations qui se sont transmises cette technique que lui-même a inventée, et c'est vraiment fort. Dans sa courte vie, Minato fut également le quatrième Hokage, l'un des Hokage les plus respectés et craints par le monde ninja. D'ailleurs, dans le premier épisode de l'anime, on voit Minato en tant que quatrième Hokage face à Kyuubi. C'était plutôt pas mal. Malheureusement, après seulement 25 ans, après avoir été un étudiant, un shinobi, un Hokage et un mari modèle, Minato mourut sous les griffes de Kurama, le démon renard à 9 queues. Et c'est justement lors de sa mort qu'il insuffla son chakra ainsi que celui de Kushina en Naruto avant de sceller Kyuubi et faire de son fils un Jinchuriki. C'était la naissance de Naruto Uzumaki, le héros de notre histoire, mais aussi la naissance de la légende du quatrième Jûnon. Par la suite, Minato fit son grand retour pour renforcer le sceau de Kyuubi, car Naruto perdait tout simplement le contrôle du démon renard face à Pain. Et là, on avait pu assister à une des meilleures scènes de l'œuvre. Et justement, lors de cette rencontre, Minato a pu raconter à Naruto que quelqu'un avait pris le contrôle de Kyuubi lors de l'attaque contre Konoha. C'était bien évidemment Obito sous son masque. Le soir de cette attaque, Minato a pu affronter Obito et ce combat. Ce combat était magnifique, c'était un truc de fou. Avec son Rasengan téléporté, waouh, c'était juste grandiose. Hashtag Kame a téléporté VSL, je dis ça, je dis rien. C'était un combat grandiose, à tous les niveaux, et c'est d'ailleurs ce combat que j'ai choisi pour cette vidéo. Mais avant ça, je dois rappeler qu'on a pu revoir Minato lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, grâce à l'aide d'Otensei. Et là, on peut dire merci Sasuke et Orochimaru, comme quoi la vengeance de Sasuke aura servi au moins à quelque chose. Bref, Minato était revenu et c'était hyper cool. Mais on va revenir du coup sur ce combat contre Obito, car c'est tout simplement un des plus beaux combats que l'on a pu voir. Dans sa mise en scène ainsi que dans la symbolique du combat, il était vraiment magnifique à tous les niveaux. On avait le maître contre l'élève, et oui, car Minato était justement le sensei d'Obito, Rin et Kakashi. Kakashi qui formera ensuite la fameuse équipe 7, et du coup qui deviendra le sensei de Naruto. Donc c'est plutôt pas mal. C'est encore une belle transmission de savoir, une belle histoire d'héritage comme cette œuvre aime bien nous proposer. D'ailleurs, petite info inutile, voilà, je savais pas vraiment où la placer, c'est l'anniversaire de Minato dans 2 jours. Donc voilà, vous pourrez lui souhaiter, n'hésitez pas à lui souhaiter de ma part. Non, je déconne. Sur Naruto Storm 4, nous avons plusieurs formes de Minato.
plus intéressantes les unes que les autres, mais je dois vous avouer que j'ai une préférence pour sa version réincarnée. Mais pour ce combat, on partira avec sa version de base, contre Obito. Alors sur ce jeu, Minato est clairement un des plus forts du jeu, et je me souviens même que pendant les compètes, on pouvait souvent retrouver soit Itachi, soit Minato. Souvent même en finale, on avait des Itachi contre Minato, c'était un truc de malade. Donc je vous le conseille fortement, même si vous êtes débutant, sur le jeu, parce que c'est un personnage très rapide, très facile à prendre en main. Il a vraiment pas mal de belles techniques et de combos, hyper facile à placer. Donc voilà, n'hésitez pas. Bref, moi, ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec la fin de ce combat et quelques techniques ultimes. Et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.